Business Production. La fête, on était la dernière fois, la maman, c'était la pâte. N'est-ce pas? Je t'assure. Maman, raconte. Il y avait des beaux garçons. Je ne sais même pas pourquoi j'ai raté la soirée là. Ndem, non. Je dis, la rose d'hiver. Pourquoi tu es malheureuse comme ça? C'est pour le problème que tu connais là, non? Tes frères d'université que tu as égarés là. Oui. Tu n'as pas encore réglé le problème là? Pas encore. Tu m'étonnes, c'est 25 000 qui peut te dépasser. Appelle le pâté là, non, le gros là, le pâté qui te grague là. Qui le paie là? Oui. Il veut seulement coucher avec moi. Et puis quoi? C'est le savon? Et si c'est le compteur? Ça ne finit pas. Ok, je l'appelle. Oui, allô? Oui, c'est la rose d'hiver. Non, je ne te tourne pas. C'est pas que je te tourne. Tu sais, les études, je n'ai pas le temps. Je suis comme ça à Dora Palace. Oui, sous les palmiers. Je prends un pôle avec mes copines. Ok, à tout à l'heure. Tu vois, en un coup de fil, le tour est joué. Quand il va venir là, il faut lui donner. Donne-lui en gros. Il peut même te donner 100 000. Mami Pi! Tu es là, tu as les gens qui peuvent t'aider. Tu fais l'angoine. Je t'assure. Oui. Allô, Wafo. C'est Crevaison. Donc tu n'as même pas mon numéro. J'ai dit, hein, tu es pimentier. Tu fais l'import-export du piment. Bon, attends un peu. Ta fille vend le piment. Voici ta fille qui est en train de vendre le piment ici à Dora Palace, à Kouaban. Oui, en bas des palmiers là, non? Viens vite. Thank you.
vraiment, madame. Hein? Je suis au bureau, on m'appelle, on me dit que tu es en train de vendre le piment. Je t'envoie au marché. Tu vends quel piment? Ça c'est qui? J'ai dit ça c'est qui? Où t'es mon? Où t'es Soka? Où t'es Soka? Voilà. Ouais, faut là. Mais c'est qui ça? C'est mon père. Regarde-moi ça. Un gros machin comme ça. Vous savez qui je suis? Tu veux épouser ta fille? Mais c'est pas possible. Mais elle est... Elle est suffisamment grande. Tu vas l'épouser? Attends, 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 mon frère. Attends, attends, si tu as soif, dis-moi. Il veut me corrompre. Ouais, faut prendre d'abord l'argent. Prends d'abord l'argent. Fais-moi le grand, c'est ça. J'ai besoin d'argent. Je dis, vous connaissez? Vous connaissez qui je suis? Est-ce que vous me connaissez? On vous a dit que j'ai des problèmes d'argent? Ma fille. Vous partez où est ma fille? Hein? Vous garez. Quel genre de voiture comme ça là? Le serpent. Vous voulez avaler ma fille? Est-ce que vous me connaissez? Oh, ne me fais pas ça, hein? C'est ma fille. C'est ta mère, n'est-ce pas? C'est ta mère qui t'a appris ça. Tu peux voir avec un gros porc comme ça. Tu vois un gros monsieur comme ça, il garde le serpent. Rose, où t'es ce gars? Non, papa. Où t'es ce gars? Vous allez mourir pauvre. Qui va mourir pauvre? Vous allez mourir pauvre. Moi, mourir pauvre? Un gros sorcier comme ça. Regarde comme il est gros. Avec ton serpent. Vous allez mourir pauvre. En attendant, tu as mon contact. Tu m'appelles quand tu es seul. Je t'envoie à l'école. Pour que tu ailles étudier et rentrer avec le diplôme. Je te retrouve en train d'entrer dans les gros serpents. C'est quoi? Monsieur, vous ne partez pas. Monsieur, je dis vous ne partez pas. Vous allez mourir pauvre. Vampire. Sorcier. Charlatan. Détourner le fonds public. C'est pas possible. Vous voulez seulement manger le type laver les mains. Ouais, vous voulez taper le gros type laver les mains. Merde. Les filles avaient l'argent facile. Les filles avaient l'argent facile. Il a même sauvé. Il a sauvé. On partait la vallée comme ça. On partait la vallée. Hein? Hey. Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue à Crébi. Les filles, quand une fille voit l'argent, elle sort ses gros yeux comme la grenouille Goliath. Elle peut suivre n'importe qui pour l'argent. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui est allé à Crébi pour un séjour de une semaine. À cause d'une seule fille parmi eux, ils vont vivre l'enfer. Alors, suivez mon regard. Vladimir.
docteur, moi je suis fatigué de demander pardon à Pamela. Depuis je demande pardon à Pamela, elle ne veut pas m'excuser. Là, Jimmy, c'est que tu as dérangé, non? Essaye de mais c'est le vin, toi-même tu connais comment elle bu, c'est le vin. Le vin qu'on mange, elle t'a attrapé sur le lit avec sa copine, tu veux quoi? Mais elle avait bu, non, elle a demandé des excuses, elle ne peut pas oublier ça. Attends, mets-toi à sa place, non, tu voulais qu'elle laisse. Je veux juste qu'elle m'excuse, elle me pardonne, c'est tout. Attends, comment tu peux donc dire que tu es fatigué, tu fais mal, continue seulement à demander pardon. Elle est encore supplier, les gars, je ne peux plus, là, moi je suis à dépasser. Je ne peux plus la supplier. Là, Jimmy, tu sais quoi? Oui. Tu sais quoi? Oui. Continue à demander pardon. Tu veux quoi, mon frère? Je peux te parler un instant, s'il te plaît. Regarde ta vie. Quand les jeunes marchent ensemble, ils ont toujours les problèmes. Pire encore, si entre eux, il y a les couples, la jalousie, l'infidélité, etc. Empereur, pourquoi tu fais ça? Tu passes ton temps à caresser, l'embrasser devant moi. Tu penses que moi aussi j'ai pas le cœur? La star, Nisha c'est ma petite amie et tu le sais très bien. En plus, tu es sa copine. Rappelle-toi très bien, c'est toi qui es venu me faire la cour. Quand tu me faisais l'amour, tu me disais tantôt que tu m'aimais. Pourquoi tu réagis maintenant comme ça? Pasta, c'est un moment de folie, un moment de faiblesse. C'est pas trop, oublie ça. Je suis désolé. Je peux pas t'oublier un peu, hein? Je t'aime. Arrête ça, c'est vrai. Lincha, c'est la femme que j'aime. Tu es sa copine. Respecte ça. Voilà ce que je disais. Dans les groupes d'amis, la jalousie, l'infidélité sont les choses qui ne manquent pas. Vous vous êtes convoqué ici là. Parce que nous formons tous une famille. Apparemment, vous n'êtes pas à l'aise. Depuis Yaoundé, vous avez les visages attachés, crispés. Moi, je ne suis pas quitté le Yaoundé pour venir s'accréder tous les problèmes. Je suis venu m'amuser. Et nous, si nous sommes là, tous là, c'est pour s'amuser. Et si quelqu'un voit qu'il n'est pas à l'aise, c'est mieux de prendre encore la voiture de rentrer. Parce que ici, à crédit, c'est pour jouer la vie. Pas ça, chérie. C'est vrai ce que tu dis. Depuis que je vous ai retrouvé à Yaoundé, je vois comment les uns sont à gauche, les autres sont à droite. Les gens sont fâchés quand ils voient les autres passer. Moi, je n'aime pas ça. Hé, madame, je te mets de quoi? Si le mariage t'a dépassé la bande, c'est toi, t'as mise dehors. Je ne vais pas te mêler des problèmes des gens ici. Hé, hey, stop! Je ne te permets pas de parler à ma soeur. Si tu as suivi, non. Celle ici, c'est par rapport à moi. Et si tu es mon ami, tu dois la considérer aussi comme ton ami. Qu'est-ce que mêle de ce qu'il arrive à elle? Arrêtez-moi tout ça. Il y a quoi ici avec vous? Moi, je suis venu m'amuser ici, là, à Kribi. Si ça ne va pas, chacun peut être libre de prendre sa voiture de rentrer à Yaoundé. Vraiment. À partir de maintenant, moi, je m'en fous. Ma femme et moi, nous sommes venus à Kribi pour s'amuser. C'est pas ça, chérie. C'est ça. En tout cas, chérie, allons dans la chambre. Merci. Ok, tu as le ensemble, mais vous ne vous aimez pas. Mamie, hey, le lendemain matin, ils sont allés se balader à la plage. Ah, Alice Fashion, la Unibay, LONB. Yeah, on s'amusait, on se disputait, mais à la fin on finissait par se remettre. Je croyais que tu m'étais destinée, je croyais avoir trouvé
Le vrai bonheur, après tout ce temps passé ensemble, à cause d'un malentendu, tout a changé. J'ai souffert, j'ai pleuré et j'ai fini par comprendre que ma vie pouvait se renverser. Je n'ai jamais voulu que ta vie se renverse. Je n'ai jamais voulu que tu pleures. Je n'ai jamais voulu que tu souffres, mais d'un malentendu, oui. Je reconnais, mais te savoir avec quelqu'un d'autre me brisait le cœur. Bébé, reviens-moi, tu es l'essentiel. Tu es tout pour moi, partout je serai là. Bébé, ferme les yeux, je t'amènerai aux cieux. Je me rends compte que t'aimer a été une erreur. Alors je préfère me faire violence. Tu restes un beau souvenir dans ma vie. Mais aujourd'hui je suis mieux sans toi. Et j'ai ma vie sans toi. Jamais eu une autre personne, ça a toujours été toi. Et seulement toi, si seulement tu m'avais cru, si seulement tu m'avais fait confiance, on aurait réalisé tous nos projets. Mais hélas, tu m'as tourné le dos et tu t'es mis dans les bras d'une autre. Tout cela à cause de rien. Tu pensais que j'ai pas aussi souffert. Tu pensais que je n'étais pas aimé. Mais voir toutes ces choses m'ont pas laissé indifférent et m'ont poussé dans les bras de ces filles. Mais aujourd'hui je me rends vraiment compte que j'ai commis une erreur. Et je regrette, je n'aurai plus jamais une fille comme toi. Je me rends compte que t'aimer a été une erreur. Alors je préfère me faire violence. Tu restes un beau souvenir dans ma vie. Mais aujourd'hui je suis mieux sans toi. Et j'ai ma vie sans toi. Aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai ma nouvelle vie. Je suis désolée, on peut plus rien faire, le passé est passé. Et tout est déjà fait, tu m'as touchée, j'ai fait l'effort de résister. Sans toi, ma vie, j'ai su la combler. À jamais, je ne peux me retourner. Le mal est déjà fait. Je comprends que le mal est déjà fait et que on ne peut plus rien faire. Je sais que le passé est passé, mais une chose, je tiens quand même à m'excuser, donc je me retourne ta vie. Je te laisse la vivre sans toi. J'ai fait ça souvent des crises, mais sans toi je vais sauf que vivre. On pouvait faire un flashback en arrière. Oh si seulement on pouvait se revoir lorsqu'on se disait je t'aime. Aujourd'hui on se hait. Pour un rien on se dit plus je t'aime. My love. Je t'aime encore, je t'aime encore, moi je t'aime encore, encore. Bradley! Ma copine! Lisha, c'est bien toi? C'est bien moi, ma copine. Embrasse-moi encore. T'as changé, qu'est-ce que tu deviens? Je suis là, le pays nous gêne, nous sommes là. Je te présente mes amis. Ils viennent de Yaoundé aussi. Effectivement. Les amis, je vous ai dit que j'ai fait le lycée ici avant d'aller à Yaoundé, n'est-ce pas? Je vous présente donc ma copine, elle c'est Freshline. Nous avons fait 3e, 2e, 1er avant que je ne monte sur Yaoundé. Freshline, je te présente la star. Bonjour la star. Elle c'est Pamela, accompagnée de son petit ami Vladimir. Salut Pamela. Il n'est plus mon petit ami. Ok, je te présente donc son ex. Salut Bogas. Salut. Elle c'est Sam Ladu, Sunshine et son petit ami Nico. Salut. Viens donc que je te présente mon prince charmant à moi, le cœur du ballot. Et qui ma copine? Freshline,
Lui, c'est mon bébé, mon chéri, mon cœur, bref, mon tout. Il s'appelle Emperor. Ah, Emperor. Enchanté. Arrête de regarder Vladimir ainsi. Pamela est jalouse. Ah, je suis trop contente de te revoir. Les filles, je viens de tomber sur ma copine d'enfance. Je suis très contente. Venez, je vous la présente. Gars, les filles, venez. En tout cas, ma copine, allons. On ne perd rien. Passage à la plage. Appelle, on t'appelle pour t'offrir un pot. Tu viens t'asseoir, tu commences à faire les yeux doux au gars de tu. Hey! Les filles de Cribi ont la vitesse. Ça va? Les copines et moi sommes arrivées ce matin et on aimerait bien aller s'amuser le soir. Mais on ne connaît pas bien la ville. Tu sais, ça fait quelques temps que j'ai quitté la ville de Cribi. Tu parles de ne pas connaître la ville quand la mer, quand je suis là. Yes. Mon frère, ma copine, je connais tous les couloirs de Cribi, tu me connais, non? En passant, ton gars est parti où? Je le vois pas là. Ah, mon bébé, elle a acheté des glaces. apparemment, vous êtes très amoureux là. Oui, c'est mon tout, c'est ma vie. Bon, s'il me quitte là. Ok, puce. Blanche la star. Oui. Pourquoi depuis aujourd'hui, je te trouve un peu pâle, triste, et pourtant tu as l'air de quand tu peux bien bouger, quoi? Non, il n'y a rien. Moi-même, j'ai constaté ça, ma copine. Quelque chose qui ne va pas et elle doit te le dire. Il n'y a rien, il n'y a rien. Je suis juste en train de réfléchir, c'est tout. Ok, comme tu insistes. Ma copine, l'amour déçoit. C'est en ce moment-là que celle-là a ouvert sa bouche pour dire ce qu'il ne fallait pas dire. Moi, je ne peux pas rentrer de Cribi célibataire. Hein? Même si c'est avec le mami Wata, je vais sauf que partir. On ne dit pas ce genre de choses auprès de l'eau. Pourquoi? C'est qui ou qu'on ne dit pas ce genre de choses auprès de l'eau? C'est qui ou? Dis-moi. Moi, je crois pas ce genre de truc. Tout ce sont vos mythes de Cribien là. Astée, écoute-moi bien. C'est la première fois que tu viens à Cribi. Donc fais très attention. Contrôle un peu tes paroles. Attends de voir, Fréchline. S'il te plaît, attends alors tu vas voir. Écoute. Contrôle un peu tes paroles. Mami Wata, viens me chercher. Viens me prendre. Ils sont où? Ils ne viennent pas. Qu'elles viennent me chercher. Fichez le cas avec vos trucs là. Essaye de contrôler tes paroles, la star. Ah, Pamela, ce ne sont que des mythes. Je te dis ma copine, c'est honoré. Blanche la star, si Fréchine prend la peine de te le dire, c'est parce qu'elle est une fille d'ici. Écoute là-haut. Thank you.
ont fait la fête toute la nuit. Le matin, ils se sont réveillés pour aller à la plage, pour nager. Oh. Alice Fashion. La Unibay. L-O-N-B. Yéman. On s'amusait, on se disputait, mais à la fin on finissait par se remettre. Je croyais que tu m'étais destiné, je croyais avoir trouvé le vrai bonheur. Après tout ce temps passé ensemble, à cause d'un malentendu, tout a changé. J'ai souffert, j'ai pleuré et j'ai fini par comprendre que ma vie pouvait se renverser. Je n'ai jamais voulu que ta vie se renverse, je n'ai jamais voulu que tu pleures, je n'ai jamais voulu que tu souffres, mais d'un malentendu, oui, je reconnais, mais te savoir avec quelqu'un d'autre me brisait le cœur. Bébé, reviens-moi, tu es l'essentiel, tu es tout pour moi, partout je serai là. Bébé, ferme les yeux, je t'amènerai aux cieux. S'il te plaît. Ben, pourquoi tu es triste? C'est quoi ton problème? Ben, pour une jolie fille comme toi, je te trouve triste. Et alors? Ça te dirait qu'on en s'assoit quelque part? On va où tu veux, tu manges ce que tu veux, tu bois ce que tu veux, histoire de mieux faire connaissance. Je t'assure, bébé, tu ne le regretteras pas. Vraiment, les femmes, dès qu'elles voient l'argent, elles sourient comme le chimpanzé. Quand on les vit prendre un pot, elles courent comme si elles attendaient. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Ce qui est plus marrant dans cette histoire, on vend la bière là-bas. Là où ils sont là, on vend la bière là-bas. Donc elle savait là où elle partait. Elle connaissait déjà ce qu'elle venait faire.
vu, non? You cherche, you trouve. Elle va confirmer. Chercher une autre victime. Lisait dans les têtes. Il savait exactement qui est amoureux de qui et qui plaît à qui parmi eux. Thank you.
magie de papier Ouattara ne marche pas avec la fille. De toute la bande là, elle est la seule qui est chrétienne. Donc elle a le sang chrétien. Ça ne peut pas marcher avec elle. Ta place n'est pas de ce monde. Donc fais sortir mes amis immédiatement. Tu as compris? Est-ce que tu m'as comprise? Va chez toi et ne reviens plus jamais. Pars! Va chez toi et ne reviens plus jamais. Et c'est comme ça que la crimière a sauvé toute la bande. Sachez une chose, avant d'ouvrir la bouche pour dire n'importe quoi, sachez que le diable vous écoute. Voici le secrétaire international, le président du BAPE. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Fais chier. Business Production. Business Comedy Club. Pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime et sur la cloche de notification.